Salut tout le monde, ne vous faites pas avoir par mon décor qui laisse penser que je vais vous parler de la Restauration et de la Monarchie de Juillet. Ça, c'est la vidéo que je vais tourner dans 10 minutes quand j'aurai fini ça, pour introduire la série sur la question. Non, là, aujourd'hui, je vous annonce surtout une petite introduction pour l'interview qui va suivre, une longue interview que j'ai réalisée fin septembre dernier, d'une chercheuse, Clotilde Drouet-Lecorne, qui est professeure à l'Université de Limoges. Et c'est une interview qui s'inscrit dans le cadre d'un projet qu'on a depuis quelque temps avec Manon, et puis avec des personnes qui nous soutiennent dans notre association, de mener des interviews de chercheurs, et de chercheuses en l'occurrence. Pas forcément les plus médiatiques, parce que à la limite, ceux-là, vous les entendez déjà pas mal parler sur YouTube maintenant, dans des conférences, des choses comme ça, il y a Benjamin de Nota Bene qui a fait des interviews de chercheurs sympas aussi, donc nous, on trouve plus intéressant peut-être d'aller chercher des gens beaucoup moins connus. Notre but, c'est vraiment de vous montrer toute la diversité qu'il y a dans le monde de la recherche en histoire, que parfois derrière des sujets qui peuvent être en apparence assez anodins, ou abscons, ou obscurs, en fait il y a plein de choses. Faire ressortir aussi un petit peu les carrières, les cheminements, et comment on en arrive d'un point à un autre. Et pour moi, c'était très important de commencer par Clotilde Drouet-Lecorne, que vous ne connaissez probablement pas, sauf si vous avez fait vos études à Limoges, puisque bah, c'est une des personnes, enfin c'est la personne qui m'a encadré pendant mes masters, donc c'est grâce à elle que j'ai fait de la recherche, parce que notamment c'était une excellente encadrante, et comme encore aujourd'hui j'avais sur Twitter avec d'autres personnes issues de l'université, étudiants et profs, des discussions sur les problèmes qu'on peut avoir parfois dans l'encadrement des masters, bah, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'il y a des personnes qui encadrent avec beaucoup de talent, et qui permettent vraiment de lancer des gens là-dedans. Et donc cette dame a été d'un grand soutien personnel pour moi, et c'est aussi en bonne partie à cause ou grâce à elle que vous m'avez là devant cette caméra aujourd'hui, et donc ça me paraissait un peu un retour aux sources intéressant d'aller l'interviewer en premier pour inaugurer cette série. Donc vous verrez qu'elle a une carrière assez étonnante, puisqu'elle a été d'abord géographe, elle est partie ensuite vers d'histoires qui peut être à la fois très locales, autour du Limousin ou du centre de la France, et des fois partir beaucoup plus sur les relations avec les États-Unis, des questions très économiques souvent, qui tournent autour par exemple de l'aide qu'ont apporté les Américains aux zones occupées pendant la Première Guerre mondiale, ce genre de choses. Vous allez voir qu'on évoque pas mal de sujets ensemble, qui ont l'air comme ça très séparés les uns des autres, mais elles montrent bien comment il y a des liens, des passerelles entre tout ça. Et puis on évoque pas mal de questions aussi sur ce qui fait l'activité de la recherche, son indépendance notamment par rapport aux fonds d'archives, parce que les archives sont pas toujours très accessibles, tout un tas de questions finalement assez importantes et assez intéressantes, et j'espère que cet entretien vous plaira, et que ce sera pour nous l'occasion d'en faire d'autres plus tard avec d'autres chercheurs et chercheuses. Alors je vous demande de me pardonner pour le format, notamment parce que la prise de son a été un peu moins bonne que d'habitude, et on sait pas pourquoi, d'autre part parce qu'on n'avait qu'un micro pour deux, et des gestes barrières à respecter en plus un minimum, et que du coup, forcément, c'est un peu compliqué de gérer une discussion comme ça, donc vous verrez qu'il y a des moments où, quand je pose les questions qui sont pas forcément très très propres, mais on a essayé de faire ça, en tout cas de faire que le fond soit le plus intéressant possible, même si la forme, je pense, on a encore du progrès à faire, j'ai encore beaucoup de progrès à faire puisque j'étais tout seul pour le faire, pour faire des interviews, mais donc là aussi, on espère à terme peut-être que grâce à notre association, grâce à vos dons, on aura les moyens d'acheter éventuellement du matériel pour faire des meilleures interviews, on verra si on a des projets sérieux qui se concrétisent là-dessus. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne interview, j'espère qu'elle va vous plaire, et je vous retrouve très bientôt pour parler du début du 19e siècle dans cette fameuse série que je vous promets depuis plusieurs années maintenant. Bonjour Clotilde Drouet-Lecorne, vous êtes donc ancienne chercheuse à l'Université de Limoges, vous êtes spécialisée de pas mal de sujets, puisque vous travaillez à la fois sur de l'histoire locale, sur de l'histoire internationale, notamment vis-à-vis des États-Unis, et vous avez aussi une carrière derrière vous de géographe. Donc pour commencer, ce serait intéressant d'avoir un petit peu votre retour sur votre parcours de chercheuse, comment on passe de la géographie à de l'histoire locale et de l'histoire internationale, comment s'articulent un petit peu toutes ces thématiques de recherche. Merci Antoine. Alors, dans votre présentation, vous me donnez la possibilité de dire que ce qui m'a conduit à l'histoire,
c'est la géographie, et c'est la question du où. Et la question du où, qui est centrale en géographie, c'est la question du pourquoi là. Pourquoi là et pas ailleurs. Et dans ce pourquoi là et pas ailleurs, il y a des éléments qui sont localisés, qui deviennent localisants. Et pour moi, la géographie, qui a été vraiment une passion, m'a et notamment l'épistémologie de la géographie, elle m'a conduit à l'histoire pour comprendre le pourquoi là. Et donc c'est de fait assez naturellement que je suis passée de la géographie à l'histoire. Étant précisé également que j'ai été formée à la géographie par des maîtres, aujourd'hui disparus, et ces maîtres qui eux-mêmes avaient été formés au moment de la grande école de la géographie en France, c'est-à-dire celle qui suit ou qui accompagne Paul Fidel de la Blache, étaient sensibles à la fois au temps et aux espaces et aux territoires. Et donc c'est vraiment c'est cette sensibilité-là et c'est cette formation aussi assez spécifique en France qui mêle l'histoire et la géographie, qui n'est pas le cas ailleurs, mais qui fait sens. Ce n'est pas la seule liaison à faire sens, mais géographie et histoire font sens, qui m'a donc conduit à l'histoire. Donc et aussi bien sûr hein, ma spécialité en géographie qui était l'épistémologie de la géographie, donc, qui m'a conduit à réfléchir à la fois sur l'histoire de la géographie et sur ses définitions ou ce qui faisait son objet. Et le temps de ma formation à Paris, entre Paris 1, Paris 4, Paris 7, et ce lieu, ce creuset qui est toujours l'Institut de géographie, a été à la fois ce lieu de formation, ce lieu d'interrogation et ce lieu donc où ma sensibilité aux espaces et au temps s'est développée. Dans un temps qui était alors les années 80, début des années 90, un temps aujourd'hui semble-t-il assez révolu, mais un temps où la géographie se questionnait sur son objet. Qu'est-ce que c'était que la géographie? On ne voulait pas que ce soit une science carrefour, donc une sorte de fourre-tout, une partie, notamment les jeunes géographes de l'époque, je pense notamment à Jacques Lévy, et à tout le groupe qui tournait autour d'Espace-Temps, cherchait à donner une vraie scientificité à cette géographie. Et cette géographie, finalement, elle a changé d'objet à ce moment-là. Et moi, j'ai fait partie de ce moment où, en fait, on était, en tant que jeune géographe, j'étais pas forcément à l'aise dans ma discipline. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai préparé avec succès l'agrégation de géographie. Ensuite, j'ai fait un DEA d'épistémologie et de l'histoire de la géographie. Et puis, j'ai été à la recherche d'un sujet de thèse que je n'ai pas trouvé à l'époque. Je l'ai trouvé plus tard, mais il était un peu trop tard. J'enseignais, bien sûr, en lycée. Et j'avais la chance d'enseigner dans un lycée à proximité de Paris. Donc j'étais géographe, mais je connaissais aussi mes faiblesses en tant qu'historienne. Un jour, mais vraiment par hasard, je me suis présentée à Sciences Po Paris. Et ce que je demandais, en fait, c'était de suivre quelques cours en auditrice libre. Et je me souviens de l'étonnement de la personne qui m'a reçue en me disant « Mais non, nous n'avons pas d'auditeurs libres. » En revanche, aujourd'hui, le professeur Serge Bechstein, qui est à la tête du DEA d'histoire du XXe siècle, reçoit des étudiants
qui voudrait s'inscrire en dehors avec lui. Pourquoi est-ce que vous n'iriez pas le voir? Et donc, sans avoir rien préparé, effectivement, je suis allée voir Serge Bernstein, et Serge Bernstein m'a dit, écoutez, bien sûr, il n'y a pas, donc je ne peux pas vous prendre juste comme auditrice, mais inscrivez-vous en DEA, et puis on verra bien. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et après quelques séances, il a fallu choisir un sujet, comme on le faisait à l'époque. Et me voici bien embarrassée par le choix d'un sujet. Là encore, une autre série de hasards, mais en même temps avec un cheminement, peut-être implicite, ou dont je n'ai pas conscience à ce moment-là, il y a dans le Marais une exposition aux Archives nationales sur les reconstructions après-guerre. Donc après la Première, après la Deuxième Guerre mondiale. Je me rends à l'exposition, un peu curieuse, mais sans rien de spécial en tête, et puis je m'aperçois, je regarde donc les vitrines, et je vois un portrait d'un homme qui s'appelle Étienne Clémentel, et je vois sous son nom l'indication « le père des régions françaises ». Et là, je suis vraiment extrêmement étonnée. Je venais donc de terminer des études de géographie, quand même, assez sérieuses. J'avais eu un cours dédié aux régions, et je n'avais jamais entendu parler d'Étienne Clémentel. Et donc, là, je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose qui me manque, et donc peut-être que je peux lier ce qui est présenté comme le père des régions françaises avec un sujet de débat. J'ai creusé un peu l'affaire, et en effet, je me suis aperçue que Étienne Clémentel avait été un ministre important pendant la Première Guerre mondiale, ministre du commerce, de l'industrie et de beaucoup d'autres choses, qu'il avait laissé des archives, qui étaient à l'époque des archives privées, auxquelles on accédait sur autorisation de la famille. Et donc je suis allée voir une de ses filles, et qui m'a donné l'autorisation mais de travailler sur un tout petit morceau de l'énorme carrière d'Étienne Clémentel, c'est-à-dire donc sur la Première Guerre mondiale et sur les régions. Et donc me voici embarquée dans ce travail, en fait, qui me permettait à la fois d'utiliser un certain nombre de compétences en géographie et de me lancer aussi dans l'histoire. Et le lien me paraissait assez naturel. Et bien entendu, aujourd'hui, Étienne Clémentel est beaucoup mieux connu. À l'époque, il était très peu connu. Quand j'ai commencé ma recherche, il était un peu connu des historiens américains, notamment de Cuisel, qui avait travaillé sur la modernisation de la France, mais en France, il n'y avait à l'époque rien sur Étienne Clémentel. Et donc je commence à avoir... donc j'ai accès à une partie du fonds d'Étienne Clémentel, qui était déposé aux archives départementales du Puy-de-Dôme, dont il a été député, sénateur, maire de Rion pendant des décades. Et donc j'ai accès, et là, ma grande surprise est de retrouver un autre élément de la géographie, et notamment de retrouver toute l'histoire de cette première régionalisation, et la manière dont Étienne Clémentel était un régionaliste moderne, c'est-à-dire pas du tout tourné vers les provinces, vers un passé révolu, mais un régionaliste appartenant à ces quelques régionalistes vraiment voulant utiliser l'échelon régional pour moderniser le pays. Et il y avait réfléchi dès son entrée au Parlement, c'est-à-dire dès les années 1905, on trouve des textes et sa participation à ses travaux sur le régionalisme. Et il s'appuie sur Paul Vidal de Lablache. Et donc, à cette occasion aussi, je retrouve un Paul Vidal de Lablache qui avait été
pas complètement oublié, mais mis de côté. Ce n'est pas le Paul Vidal de la Blache des paysages, des petits pays, mais c'est le Paul Vidal de la Blache qui, en 1910, dans la Revue de Paris, propose un découpage de la France en régions économiques autour d'éléments qui sont à l'époque extrêmement modernes et qui vont le rester, c'est-à-dire autour des villes qui deviennent des métropoles, autour des nœuds de circulation, autour donc de ce qui est en train de faire la ville, des aspects de modernisation, donc c'est tout juste, il ne parle pas de hub, mais c'est donc cet article, Princeps de 1910, sur lequel s'appuie Étienne Clémentel. Et donc là encore, je retrouve un géographe, un grand géographe, qui était mésestimé par une bonne partie des jeunes géographes voulant refonder la géographie, et un géographe qui avait été vraiment très moderne. Et donc, voilà, donc je s'est enclenché, et j'ai travaillé ainsi sur le ministère de l'Industrie pendant la Première Guerre mondiale, autour notamment de la création de ces régions françaises. Et puisque Clémentel s'inspire très largement de la carte pour proposer un découpage, et proposer un découpage qu'il ne va pas imposer, qu'il va proposer et négocier à une échelle qu'il peut maîtriser lui, et qui est celle d'une institution parapublique, qui sont les chambres de commerce. À l'époque, on ne les appelle pas encore d'industrie, mais les chambres de commerce. Il y en a un peu plus de 150 dans le pays à l'époque. Et il leur propose de se réunir, de se rassembler dans des chambres de commerce régionales, dans des régions économiques, non pas de les fondre, mais de les rassembler pour qu'elles puissent coopérer à des projets d'envergure, notamment des projets pour l'après-guerre, pour la modernisation, pour l'électrification, pour le développement du téléphone, etc. Et donc c'est ainsi que je suis passée de très naturellement de la géographie à l'histoire. Et en même temps, où cette sensibilité aux échelles est devenue une évidence, et une évidence certes en géographie, mais également en histoire. C'est-à-dire que dans ce que j'aime faire en histoire, c'est de travailler et d'essayer d'articuler ces différentes échelles. Voilà, donc je suis passée par hasard. C'est vraiment une sorte de hasard, mais guidé par une forme de curiosité aussi, mais un peu de hasard, et je remercie Serge Bernstein et Sciences Po, à l'époque, qui accueillaient beaucoup plus aisément les étudiants arrivant en deuxième et en troisième cycle, et puis la soutenance étant bien passée, les perspectives étant intéressante, eh bien je me suis lancée dans une thèse sur le ministère du Commerce et de l'Industrie. Voilà, pour ce premier passage. Alors ce que vous dites est très intéressant, parce que ça pose aussi plusieurs questions du coup sur la pratique de la recherche et cette entrée dans la recherche. Notamment vous parlez d'un fonds privé donc autour d'Étienne Clémentel que vous avez utilisé et étudié donc. C'est quelque chose d'assez particulier, et je pense que les spectateurs et auditeurs ont peut-être envie de comprendre un petit peu en quoi ça consiste concrètement ce type d'archives, quelles sont aussi leurs failles, puisque je suppose que des archives privées comme ça autour d'une personnalité politique qui a en plus un ancrage local assez important, ça doit être des archives qu'on manipule aussi avec une certaine distance, donc je serais curieux de savoir un petit peu comment vous avez abordé ce genre de documents, ce genre d'archives. Alors, donc, en histoire contemporaine, plus particulièrement, nous avons donc affaire à des archives privées, d'institutions,
de personnes, d'organismes divers, d'entreprises. Et ces archives privées, bien sûr, elles posent problème. Alors, j'appartiens ici à une association, PR2L, donc qui est une association d'histoire sociale, et qui justement cherche à collecter ces archives privées et à organiser leur dépôt dans les archives du Limousin, dans toutes les archives publiques du Limousin. Donc les archives privées, bah, on essaie à la fois de comprendre comment elles ont été constituées, comment elles ont été déposées, avec quelles restrictions également, quelle est la part. Souvent, en fait, on s'aperçoit, notamment c'était le cas pour les archives clémentelles, que tout n'avait pas été déposé, qu'une partie était restée dans la famille, et souvent même divisée entre les différentes branches de la famille, que ce qui a été déposé donc n'est qu'une partie, une partie qui était assez, à la fois assez intéressante, mais en même temps incomplète, et en même temps bien entendu vue l'autre, enfin c'est pas vu par l'auteur lui-même, parce qu'il ne l'est, ce n'est pas lui qui est à l'origine du dépôt, mais c'est bien entendu à partir de ce qu'il avait conservé, et notamment parce qu'il écrivait lui-même ses discours, et qu'il faisait partie de ces hommes politiques qui aimait parler, qui aimait convaincre, donc l'art, tout l'art oratoire et l'art de la conviction, qui a été bien présenté par Nicolas Rousselier pour la Troisième République, et donc on a, en fait, c'est voilà, c'est ce type de matériaux. Donc on essaie bien sûr aussi de recouper, on prend autant que possible, on cherche à retrouver l'autre partie, ou des correspondances, là, les archives d'Étienne Clémentel étaient ces archives privées, mais dans le cadre de ses activités, qui ont été nombreuses, mais il y avait, que l'on peut ensuite compléter avec les archives, notamment du ministère du Commerce et de l'Industrie, plus, bien sûr, d'autres fonds d'archives privé. Donc voilà, donc c'est un, et alors en même temps pour l'historien, j'avoue que c'est un, vous le savez vous aussi Antoine, c'est un pur bonheur, c'est-à-dire qu'il y a ce moment d'exaltation où on a d'archives qui sont peu classées, voire pas classées ou mal classées, et puis vous êtes comme une sorte de détective, vous avez un immense puzzle devant vous, et puis ça prend forme, et puis ça fait sens, donc il y a un immense plaisir de, non seulement de la manipulation, très concrète, de la recherche, de l'interrogation, et tout cela prend du temps, mais il y a un aspect extraordinairement sensuel, aussi, que beaucoup d'autres historiens, Arlette Farge notamment, évoquent, mais il y a un aspect extrêmement sensuel dans ces archives, et notamment dans les archives aussi privées, où vous avez des, où tout en France, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs, est conservé. Des petits bouts, des petites notes, un petit dessin, un petit quelque chose, voilà. Donc ces archives privées qui désormais sont devenues publiques après un certain nombre, sont privées mais sont accessibles à l'ensemble public, sont tout à fait fascinants, voilà. Sans compter les photos. Vous avez très bien décrit justement l'exaltation qu'on peut avoir dans les archives, le plaisir de la découverte un petit peu inattendue, notamment quand on a affaire à des documents qui sont
assez improbable dans des dépôts d'archives classiques, et est-ce que, à l'inverse, face à ce genre de fond, vous avez aussi rencontré des sortes de frustrations, justement, face à des manques évidents qui laissent entendre, là, qu'il y a eu ou bien une épuration des archives, ou bien, en tout cas, des oublis qui posent problème dans votre travail de chercheuse, ensuite. Mais alors là, ce n'est pas avec Étienne Clémentel, mais j'ai eu très récemment à travailler hors de mes périodes de prédilection, mais sur une période qui suit la Deuxième Guerre mondiale et qui a trait à un autre de mes centres d'intérêt qui est la Chambre de commerce internationale, sur laquelle on reviendra peut-être plus tard. Et cette Chambre de commerce internationale a eu quelques dirigeants importants français. Étienne Clémentel a été le premier, mais il y en a un autre. Je laisse aux auditeurs et à ceux qui visionnent le soin de chercher qui a été ensuite en charge, plus récemment après la Deuxième Guerre mondiale, a été à la tête de la Chambre de commerce internationale. Et ce sont des archives privées qui ont été déposées aux archives nationales. On m'a demandé de demander donc une dérogation pour y avoir accès, etc. Ce que j'ai fait, j'ai obtenu de la famille une dérogation, et je me suis retrouvée avec un fonds tellement... qui a été tellement... Parfois les bibliothécaires parlent de désherbage, ou même certains archivistes aussi, mais là, enfin, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que il n'y a plus rien. Et, tout élément intéressant a objectivement été retiré du fond, et il ne reste que quelques invitations à des cocktails et autres qui ne font absolument pas sens. Donc oui, on a aussi cela. Et c'est extrêmement frustrant, dommage, parce que l'on sait bien d'autres choses. Et là également, on se retrouve dans ces archives, mais je le vois aussi avec les archives d'entreprise, avec des craintes, des peurs. Donc vous avez des fonds qui ont été ouverts, qui maintenant se retrouvent fermés, par des craintes que les historiens... ou d'autres, mais puissent les utiliser à des fins de scandale, ou les instrumentaliser, et actuellement on le voit, je trouve ça très dommage, parce que bien souvent les entreprises ou les organismes, certes, il y a eu des moments où ils avaient deux fers au feu, souvent il y a moins de honte à avoir sur ce qui a été fait que ce qu'ils imaginent, et donc il y a des moments de grande frustration. Et actuellement, il y a un accès aux archives, par exemple aux archives de la Défense, comme vous le savez peut-être, aux archives d'après la Deuxième Guerre mondiale, aux archives d'entreprise, aux archives d'organisation patronale, par exemple pour moi, qui se referment souvent parce que finalement ceux qui sont à la tête de ces organismes craignent, sans savoir bien ce qu'ils ont d'ailleurs, mais ils craignent et donc ils ferment. Et c'est très très dommage. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler au début de l'année de ces fermetures d'archives classées, là, pour le coup, du point de vue de la Défense, autour de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre d'Algérie. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est pas exclusivement sur ces sujets très politiquement sensibles, finalement, qu'on le retrouve aussi sur des sujets qui peuvent paraître, en tout cas, plus anodins. Et une chose qui m'interroge, puisque vous avez aussi parcouru des fonds outre-Atlantique, c'est de savoir si vous avez eu le sentiment qu'il y avait des différences dans la façon dont ce genre de choses était abordé, ou plus largement d'ailleurs dans le traitement des archives, entre la France et les États-Unis notamment, et d'autres fonds si vous en avez exploité.
Alors, aux États-Unis, j'ai exploité à la fois des fonds privés et des fonds publics. Ce qui les caractérise, c'est la différence de moyens, très 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 nette. C'est-à-dire que les fonds sont souvent admirablement conservés, ce qui n'est pas le cas en France par manque de moyens et de main-d'œuvre. Donc ils sont bien conservés. Souvent, ils sont également plus accessibles. Mais là encore, hein, je parle sur mes sujets. Donc, dans mes travaux, j'ai beaucoup travaillé sur les archives présidentielles, donc la bibliothèque présidentielle et les archives présidentielles du président Herbert Hoover, qui sont conservées donc, dans l'Iowa. C'est même la première bibliothèque présidentielle en tant que telle, avec des fonds très extrêmement conséquents, et pour lesquels je n'ai eu aucune restriction d'accès, étant précisé que Herbert Hoover a une très très longue vie, hein, et qu'il décède en 1964, donc cela touche aussi des périodes assez d'après la Deuxième Guerre mondiale. J'ai travaillé également sur alors un dépôt, enfin un fonds d'archives à Wilmington, dans le Delaware, qui est le lieu où sont entreposés ou qui collectent les archives d'entreprise. Et là, c'est bien entendu, c'est plus délicat. Je ne suis pas certaine que voilà. Mais là, on a des fonds d'entreprise. Je n'ai travaillé moi que sur certains fonds d'institutions. Et puis il y a ce lieu très étonnant qui est la bibliothèque, les archives de Stanford, qui ont été fondées subventionné par Herbert Hoover à l'issue de la Première Guerre mondiale. Il a le souci immédiatement d'abord de conserver les archives qu'il a constituées dès son entrée en fonction en Europe dans un cadre humanitaire, et également de chercher à comprendre en fait la question de la guerre, de la paix et de la révolution. Vous voyez le thème, et cette bibliothèque Hoover à Stanford contient des fonds mais immenses, et on ne peut pas travailler sur les aspects guerre, révolution, dans quelques parties du monde que ce soit, sans passer par cette bibliothèque qui en fait achète des fonds. Et donc elle fait partie de ces institutions qui achètent, qui a la possibilité de moissonner très largement, d'acheter des fonds. Alors en règle générale, ça signifie que dans le pays où sont collectées les archives, il y aura à un moment donné un microfilm, avec toute la difficulté d'utiliser le microfilm, mais voilà, là aussi on a, donc ce sont des pratiques très 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 différentes, selon les pays, mais il est évident qu'aux États-Unis, les fonds sont mieux matériellement conservés, et qu'il y a aussi une aide de beaucoup de personnes qui, comme pour les musées, qui vont aider à classer, donc qui vont passer notamment une partie de leur retraite à classer, vraiment classer les fonds. Donc il y a ces aides qui sont moins fréquentes en France pour des tas de raisons, notamment administratives. Vous avez beaucoup parlé du président Hoover. Si les spectateurs regardent sur Internet aussi, ils peuvent vous retrouver plusieurs conférences que vous avez données qui ont trait à la Première Guerre mondiale et notamment au rôle des Américains dans l'aide aux territoires occupés pendant la Première Guerre mondiale. Et ce que je me demande du coup, c'est comment, par l'étude
de sujets comme Étienne Clémentel, les organisations patronales, les organisations, les chambres de commerce et d'industrie en France. Vous en êtes arrivé à étudier justement cette question des États-Unis, et quel est le lien que vous avez fait finalement, si vous en avez fait, entre les deux aspects ? En fait, oui, il y a un lien. Donc, dans mon travail de thèse, qui s'est poursuivi à Sciences Po, sous la direction de Serge Berchtel, j'ai poursuivi ma thèse sur le ministère du commerce et de l'industrie pendant la Première Guerre mondiale et les années 20. Alors, c'était de l'histoire à partir donc du ministère du commerce, mais étant précisé que pendant la Première Guerre mondiale, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est Étienne Clémentel qui d'octobre 1915 à novembre 1919 est le ministre en charge de ce département ministériel. Et Étienne Clémentel, donc il y a les régions, bon, mais Étienne Clémentel, il a envie de moderniser la France. Il se demande comment il va faire, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaille pendant la guerre, à la fois pour l'instant, mais également pour l'après-guerre. Par là aussi une forme de, comment dire, de hasard de lecture, et également parce que j'avais l'occasion, sur un plan privé, d'aller très souvent aux États-Unis, je lis un auteur qui s'appelle Dorfman, et qui a écrit une série tout à fait intéressante, donc entre les deux guerres, sur The Economic Mind in American History. Et il y a un chapitre sur Herbert Hoover. Et je m'aperçois que Herbert Hoover, qui devient lui aussi ministre du commerce, mais cette fois-ci après la Première Guerre mondiale, a des idées et une mise en plat de politique que je retrouvais chez Étienne Clémentel. Je me suis dit, puisque j'étais quand même assez libre, étant déjà professeur, etc., j'étais assez libre de mon sujet, et j'ai eu envie de ne pas me contenter de faire une monographie comme je l'imaginais au départ sur la France, mais finalement de chercher à établir ou à voir s'il y avait un lien entre la France et les États-Unis, peut-être d'autres pays, autour du ministère du commerce, étant précisé que en France et dans les autres pays, il n'y a pas, après la Première Guerre mondiale, de ministère en charge de l'économie. Il y a des ministères en charge des finances, du budget, bon, mais qui ne s'occupent pas de politique économique. Quel est le lieu où l'on commence à penser une politique économique et une politique de modernisation industrielle et une politique un peu globale, avec une idée qui est en train de germer, qui est celle d'une forme de planification, c'est le ministère du commerce. Et Étienne Clémentel était totalement dans cela, et Herbert Hoover aussi. Et donc, en fait, j'ai construit, même s'il y a un décalage chronologique, j'ai construit mon sujet de thèse, finalement, en travaillant sur le ministère du commerce en France et aux États-Unis, Première Guerre mondiale et années 20, et autour de ce qui me semblait être une clé pour moi de compréhension et d'interprétation, et qui était celle de ce qu'on appelle le progressisme. En fait, de ce qui a marqué à la fin du 19e siècle tout un courant de pensée, qui passe de la pensée au gouvernement à la faveur de la Première Guerre mondiale, à la fois sur un plan économique, social, c'est-à-dire que la question sociale, elle est pensée avec l'économie. Étienne Clémentel, il est soucieux de l'aspect social, mais bien entendu, réformiste, progressiste, Herbert Hoover de la même manière.
Donc voilà, en fait, j'ai conçu un objet, était une clé d'interprétation autour d'un progressisme qui n'était plus celui simplement des textes ou des courants d'idées qui irriguent la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, mais qui était mis en action, mis en pratique pendant les années 20. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Herbert Hoover. Et Herbert Hoover, je le rencontre, et je me rends compte aussi qu'il est en France, qu'il vient en France très souvent, pendant la Première Guerre mondiale. Alors ce que vous dites me pose plusieurs questions, puisque moi c'est vrai que l'histoire économique, comme pour beaucoup de monde, c'est quelque chose à quoi j'ai été assez hermétique assez longtemps, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup de concepts et de leviers à comprendre qui ne sont pas simples. Et c'est vrai que vous avez parlé, justement, vous avez utilisé même le mot de planification, ce qu'on n'associe pas forcément aux économies occidentales par rapport, on va plutôt associer ce mot-là aux économies soviétiques et communistes plus largement, et c'est quelque chose que j'ai constaté aussi dans ma thèse, et j'en ai fait une vidéo justement sur la façon dont les États interagissaient avec les compagnies transatlantiques, où finalement on se rend compte que même si on a affaire à des États qui clament haut et fort qu'il faut préserver la main invisible du marché, finalement ils n'hésitent pas à saisir cette main par le poignet quand il le faut. Et donc, dans vos travaux, justement, comment vous avez vu un petit peu, quelles sont les grandes interactions que vous avez vues entre, d'une part, les gouvernements, d'autre part, bah, les acteurs de l'économie sous toutes leurs formes, et puis bah, ces fameux corps intermédiaires que vous avez beaucoup étudiés. Merci pour ces questions, Antoine. Si je repense à cette première expérience dont je travaille sur Étienne Clémentel. Étienne Clémentel, lorsqu'il est nommé ministre du commerce et de l'industrie, il a un certain bagage en économie, il s'est toujours intéressé à l'économie, il a même, c'est un des hommes politiques de la Troisième République qui s'est le plus intéressé à cette question, mais il se retrouve face à une situation très chaotique. Il cherche à comprendre, et en fait les dirigeants ne peuvent pas se passer d'intermédiaires. Comment agir? Alors, par exemple là, comment agir pendant la guerre pour continuer à produire? Pendant une guerre, il faut produire. Et il faut produire pas seulement pour la guerre. Il faut produire pour sa propre population, et on cherche également à maintenir les marchés d'exportation, très important. Comment est-ce que vous financez la guerre si vous n'avez pas non plus des rentrées de devises? Donc il y a ici la décontradiction, et donc Étienne Clémentel cherche à comprendre ce qu'il peut faire pendant la guerre pour continuer à produire, à conserver les marchés. Il cherche également tout de suite, il a tout de suite l'après-guerre en tête. Il n'est pas le seul, hein. Dans la guerre, on pense tout de suite à l'après-guerre. Et il se demande qui vais-je consulter. Alors on le voit, il cherche à consulter les chambres syndicales, les chambres de commerce, et il reçoit des centaines de réponses qui sont contradictoires. Et avec ses réponses, il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas une vue. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il va chercher à faire deux choses. À regrouper les fameuses chambres de commerce qui sont trop éparpillées, selon lui, et au moins à faire émerger à l'échelle régionale des lignes qui vont le guider, qui vont pouvoir guider son action. De la même manière, donc, quand ce sont les chambres syndicales, etc., il s'aperçoit qu'il a en face de lui un monde patronal extrêmement émietté, et donc c'est ce qui va l'encourager, et plus que cela, à demander au patron de se regrouper, et qui va être à l'origine de la première Confédération Générale de la Production Française, c'est-à-dire ce qui est à l'origine du MEDEF actuel. Et c'est pas d'origine patronale, c'est d'origine gouvernementale.
Et c'est de, parce que il faut pouvoir saisir ce qu'il comprend. Et donc ce besoin d'avoir en fait, après on parlera plus tard dans le moment vraiment du plan français, un horizon d'attente, un horizon d'action, c'est ce qui guide les gouvernants. Mais c'est aussi ce qui guide les investissements. Et donc entre ces éléments-là, il y a cette volonté de savoir où on va. Je le retrouve exactement de l'autre côté, par exemple toujours aux États-Unis, où la structure syndicale patronale était très très émiettée, et où c'est l'administration américaine qui, juste avant la Première Guerre mondiale, fait plus que favoriser l'émergence d'une confédération. Alors ça s'appelle pas confédération, c'est la US Chamber of Commerce, et qui va regrouper ces acteurs. Et ensuite, vous voyez cette interaction constante avec les administrations en France, aux États-Unis et dans les autres pays. Cette main invisible, elle doit être guidée, et c'est les gouvernants, on peut pas gouverner sans savoir ce qui se passe, sans avoir des remontées du terrain, sans savoir comment agir, sans et ça va se passer aussi à l'échelle internationale. Donc si vous voulez, je passe à l'échelle internationale, parce que cette Première Guerre mondiale, et notamment ces années 20, qui sont des années, la décennie des années 20 est sous étudiée. Il n'y a pas grand chose. Et dans ces années 20, il y a beaucoup en fait d'éléments, de parcours que l'on, ou de trends, hein, et que l'on va retrouver après la Deuxième Guerre mondiale, très 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 clairement. Et donc toujours mon Étienne Clémentel, c'est pas que je... Ben, je veux dire, c'est que c'est un homme important par sa vision, hein. Il est contacté par quelqu'un qui est à Londres, qu'on connaîtra bien par la suite, qui est Jean Monnet. Et Jean Monnet lui dit, là j'ai été, donc il fait partie des organisations, pour le compte de la France, mais des organisations alliées à Londres de la Première Guerre mondiale, qui lui dit, voilà, j'ai été contacté par des représentants de la Chambre de commerce américaine, ils veulent venir en Europe, etc. Et Étienne Clémentel va saisir, il va comprendre toute l'importance de la venue en Europe d'une délégation de grands patrons américains, et il va organiser une délégation de grands patrons français, mais aussi une délégation, là il y a des délégations belges, il y a des délégations italiennes, des délégations britanniques, en fait c'est des délégations d'alliés, mais c'est la française qui est la plus importante, cette délégation va se rendre à Atlantic City, et va se rendre en voyage aux États-Unis à l'automne 1919. Et c'est un moment important, parce que ces deux, alors il y a aussi quelques délégués de l'administration française qui sont là, et ce moment d'Atlantic City va donner naissance à un projet, qui est le projet d'une chambre de commerce internationale, et cette chambre de commerce internationale qui va effectivement, qui est en fait une initiative française et américaine, qui va effectivement se mettre, être créé, qui va avoir son siège à Paris, jusqu'à aujourd'hui. Elle est fondée, officiellement en 1920, c'est officiellement Étienne Clémentel qui est président, le premier président, et c'est en fait un lieu privé, hein, où vous allez rencontrer des délégations, d'industriels, de financiers, et qui,
pendant toutes les années 20, même les années 30 et un peu après, vont être constamment en interaction avec les administrations des différents pays, et vont, voilà, là aussi être dans une... Alors, lorsque les relations diplomatiques sont difficiles entre pays, la Chambre de commerce internationale peut prendre le relais, peut aider notamment à remettre en œuvre des circuits de financement États-Unis, Europe après la Première Guerre mondiale, est à l'origine très nettement du plan Dawes et du plan Young, les deux plans portant les noms d'hommes qui sont extrêmement présents dans la Chambre de commerce internationale, qui sont présents également auprès de la Société des Nations, et vous voyez donc une forme ici de voilà d'interaction et de autour de projets qui sont des projets de développement économique, des projets de développement financier, des projets également de développement et d'adoption de normes. Alors, les normes internationales, c'est intéressant. C'est les normes pour commercer, c'est les normes dans tout ce qui est infrastructure de transport, etc. C'est la désignation des termes du commerce, c'est comment est-ce que l'on décrit entre les différents pays les unités de mesure, etc. Donc, ce sont tous ces éléments-là qui sont l'œuvre de, par exemple, de cette chambre de commerce internationale. Aujourd'hui, les termes du commerce international, il y a un vocabulaire spécifique, hein, et qui se met en place dans ces années 20. Vous avez également la nécessité pour les entreprises et les pays d'avoir de pouvoir régler un certain nombre de situations ou de litiges rapidement, et ça c'est ce qu'on appelle l'arbitrage international commercial qui se met en place également dans le cadre de la Chambre de commerce internationale, qui devient le premier organisme international d'arbitrage commercial jusqu'à aujourd'hui. Et donc là, il y a toute une série de choses dans lesquelles on voit comment les administrations, les entreprises au sens large, sont conduites à interagir avec leurs propres, bien sûr, hein, avec leurs propres intérêts, mais qui sont des intérêts compliqués. Ce sont des intérêts à la fois de firmes, mais également des intérêts de pays, de secteurs. Et en même temps, il y a aussi la question sociale qui est là, et qui est, entre les deux guerres, présente avec l'Organisation internationale du travail. Voilà, donc il y a tout ce monde-là. Vous voyez comment je passe d'un lien à un autre, mais les éléments sont en fait s'emboîtent. Les échelles d'intervention s'emboîtent, et le projet qui est porté un peu partout pendant la guerre, pour l'après-guerre, ces années 20 sont d'une richesse inouïe, et elles ne sont pas oubliées. C'est pas des expériences qui disparaissent. C'est d'autant plus intéressant que la question des influences que peuvent avoir les pays les uns sur les autres, c'est quelque chose qui aujourd'hui est source de beaucoup de débats politiques, notamment à l'heure de la remise en question de l'Union européenne, que ce soit par le Brexit ou par de plus en plus de partis en Europe. Et donc c'est des choses qui laissent souvent place à pas mal de conspirationnisme aussi. On voit notamment sur la place des États-Unis, qui est finalement à la fois connu et mal connu du grand public, en tout cas je pense, ce qui contribue aussi à nourrir à la fois des fantasmes ou des choses qui sont connues mais mal comprises. Et vous qui avez travaillé notamment sur l'implication des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, et sur la façon finalement dont l'aide qui était apportée aux pays occupés, notamment par la Première Guerre mondiale, avait aussi pour objet finalement de préparer des projets, comme vous l'avez dit, pour l'après-guerre. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer sur ces sujets-là, qui sont notamment les sujets auxquels vous avez consacré votre travail d'habilitation à diriger des recherches? Qu'est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pour clarifier ces questions et ces enjeux?
Alors, je ne vais pouvoir parler qu'à partir de mes exemples. Je me garderai, voilà, de trop généraliser, même si j'ai quelques idées, mais... Donc, pour expliquer à ceux qui m'écoutent ou me voient, j'avais laissé de côté un thème, quand j'avais travaillé sur la Première Guerre mondiale, et sur le ministère du Commerce, qui était le thème, un thème en fait plus personnel, était le thème des régions, de la région du Nord, des 10 départements français, totalement ou partiellement occupés par les armées allemandes, et comment ces territoires, en fait, avaient traversé la guerre. Enfin, c'est pas une anecdote, mais élément personnel, c'est que moi je suis originaire de Douai, et que petite fille, j'avais une grand-mère qui me disait qu'elle avait reçu des colis américains. Bien plus tard, j'ai cherché à comprendre d'où venaient ces colis américains, je n'ai rien trouvé, quasiment, dans l'historiographie française. Et donc là s'ouvre un autre volet sur comment les 2 millions de Français, sans parler des 7 millions de Belges, hein, mais comment avaient-ils vécu, survécu pendant la Première Guerre mondiale, alors que les empires centraux, mais l'Allemagne en particulier, faisaient l'objet d'un blocus. Et donc, dans cette guerre sur la mer, que vous connaissez, mais qui est en fait peu connu en France. Dans ce théâtre maritime de la guerre, il y a un blocus qui n'est pas immédiat, mais il devient extrêmement efficace fin 1915-1916. Et c'est un blocus qui touche, bien entendu, les munitions, etc. C'est évident. Mais c'est un blocus aussi qui va toucher l'alimentation. Alors ici, c'est un autre volet tout à fait intéressant, c'est dans ces aspects, dans ce droit de la guerre, que la place des populations civiles et la place de l'alimentation. Et donc que se passe-t-il pour eux? Et en fait, il se passe pour eux quelque chose de, là encore, de tout à fait étonnant. On savait que c'est mieux connu pour les Belges, qu'il y a une organisation qu'on appelle la Commission for Relief in Belgium, qui va largement approvisionner les Belges pendant la Première Guerre mondiale. Pour la France, on sait moins que cette Commission for Relief in Belgium, elle va agir également en France, et que c'est elle qui... en fait, dès les premières semaines de la guerre, va permettre de faire parvenir aux populations occupées des vivres et qui vont leur permettre, bon an, mal an, de pouvoir tenir jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, cette Commission for Relief in Belgium, c'est la première organisation non gouvernementale humanitaire, très clairement. Cette première organisation, elle est, c'est une organisation de facto, elle n'aura jamais de statut, elle provient d'une prise de conscience, d'une intervention, d'une démarche de quelques hommes. Et ces quelques hommes, ce sont des hommes qui ont la possibilité d'agir matériellement, mais aussi qui appartiennent à un pays qui, au début de la Première Guerre mondiale, est neutre, c'est-à-dire les États-Unis, et ce sont des Américains. Parmi ces Américains, qui sont basés à Londres, et vous avez, à l'époque, il faut se souvenir aussi que les États-Unis, certes, sont très développés, mais les États-Unis sont très admiratifs de beaucoup de secteurs industriels en Europe, et notamment en France, hein. Donc là, pas d'anachronisme, hein, et donc il y a beaucoup d'ingénieurs, notamment, et d'hommes d'affaires
américains en Europe, et parmi eux, à Londres, il y en a un qui s'appelle Herbert Hoover, qui deviendra président, mais à l'époque, c'est un ingénieur à succès. C'est un ingénieur qui a fait fortune, c'est un ingénieur minier. Et donc, il a travaillé dans le monde entier, et quand la Première Guerre mondiale est déclenchée, il est à Londres, il a fait fortune, et c'est un homme qui aime l'action, personnellement, et donc cet homme d'action, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, il répond à des amis belges qui le contactent, et qui lui disent, voilà, les Allemands ont décidé de ne pas donner de vivres, de ne pas faire parvenir de vivres aux Belges, parce que eux-mêmes s'estiment victimes du blocus qui est en train de se mettre en place, et donc ils ne vont pas, ils estiment que le manque d'alimentation qui va très vite arriver à la Belgique, qui est très dépendante des importations, n'est pas de son fait, mais du fait de ceux qui organisent le blocus. Et donc Herbert Hoover se mobilise et il cherche comment aider les Belges à obtenir de l'alimentation. Et donc, en fait, il va se poser en une sorte d'intermédiaire, de go-between, vraiment, entre différentes autorités. Et lui, en tant que neutre, de pouvoir, acheter de la nourriture, alors, avec des fonds qui viennent notamment des communautés belges à l'étranger, etc., mais de pouvoir acheter donc cette nourriture, hein, du blé, etc., et de pouvoir la faire arriver en Belgique avec des garanties, et avec des garanties qui sont notamment négociées avec l'occupant allemand, qu'il ne prélèvera pas, bien sûr, sur ces nourritures qui arrivent. Et c'est le début, donc dès octobre 14, hein, c'est le début de cette organisation. Et cette organisation, il va l'étendre à la France. Et en l'étendant à la France, d'abord le gouvernement français est dans un premier temps assez réticent, il comprend pas comment ça va se mettre en place. Bon, je passe sur les détails, mais ici c'est la nature de l'aide. À partir du moment où on s'aperçoit que la guerre c'est pas quelques semaines ou quelques mois, mais que il faut passer d'une récolte à une autre, et en fait il faut prévoir pour un temps indéterminé, à ce moment-là, la charité n'est pas suffisante. Et à ce moment-là, il faut passer par un financement des États. Et donc c'est ainsi que la Belgique, la France, les gouvernements vont financer cette aide. Qui est une aide alors qui n'est pas commerciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un centime de bénéfice. Mais vous voyez comment en fait, ce sont des entreprises notamment nord-américaines, pas seulement parce qu'on fera appel aussi à l'Argentine et à d'autres, qui vont vendre à la Commission for Leaf in Belgium, et donc en fait via les finances françaises et belges. Alors pour la Belgique, c'est la Belgique non occupée, c'est-à-dire que c'est le roi des Belges qui est avec son gouvernement qui est en exil, hein. Qui achète aux États-Unis. Et puis lorsque les États-Unis rentrent en guerre, bien entendu, ces achats continuent et puis ils se multiplient sur bien d'autres éléments. Et là, vous avez des intérêts de firmes, vous avez des intérêts, mais qui ne sont pas non plus illogiques. Ensuite, c'est la nature et le niveau de profit qui sont en cause. C'est ce qu'on appelle les marchés. C'est tout cela. Pour ce qui concerne l'aide alimentaire, elle sera toujours, hein, non commerciale. Enfin, elle est payée, mais il n'y a pas de bénéfice. Hein, c'est ce que les Américains appellent, c'est du non-profit, mais ça passe par des mécanismes de marché. Et bien entendu, mais je ne connais pas beaucoup d'exemples
Et on pourrait prendre la France de la même manière lorsqu'elle prête elle-même pendant la guerre et ensuite hein, bon, les prêts ou les dons sont quasiment toujours liés à des contrats. C'est-à-dire que vous, comme nation, administration, vous cherchez toujours à faire bénéficier aussi hein, vos entreprises, et parfois c'est une condition d'ailleurs de l'acceptabilité aussi par votre propre opinion publique et le monde économique et social. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander, maintenant que cet entretien arrive un petit peu à sa fin, s'il y a des choses, d'autres aspects de vos recherches dont vous avez le sentiment qu'il faudrait aussi parler, et autrement, si vous avez dans votre carrière croisé des ouvrages ou des travaux qui ont profondément transformé votre façon de voir votre discipline ou de la travailler. C'est presque l'exercice, ce que vous me demandez, c'est presque cet exercice de l'essai d'ego histoire qu'on nous demande avec, donc dans le dossier d'habilitation. Dans ce qui me meut dans mes sujets, c'est, ce n'est pas d'appartenir à une école, ce n'est pas d'être dans une filiation avec un ou les maîtres, c'est plutôt, ce serait plutôt, par exemple, peut-être un peu au bizarre, mais la poésie. Je pense à une poétesse qui a obtenu le prix Nobel il y a quelques années. Elle est polonaise et elle s'appelle Zimborska. Et Zimborska, elle est un peu traduite en français, mais beaucoup en anglais. Et c'est une poésie aussi très concrète de l'histoire. De la j'ai mis un extrait de sa d'une de ses poésies sur l'après-guerre dans un de mes recueils donc du dossier d'habilitation en fait plus exactement même maintenant que j'y pense chacun des tomes associés à mon habitation est introduit par un poème. Voilà. Ce serait plutôt pour moi la poésie du XXe siècle est une poésie très concrète, celle de terrain, et qui me touche et qui me fait me mouvoir dans des objets, dans des interrogations, plus que un ouvrage en particulier. Mais j'avoue que je suis très sensible aussi aux historiens de l'entre-deux-guerres. Je vous parlais tout à l'heure de Joseph Dorfman, c'est sur American Mind, Economic History. Là, il y a des... Ce sont ces ouvrages-là souvent qui m'ont conduit à continuer à mes travaux.